Bonjour, c'est Paula de CHNE. Cette semaine, j'ai parlé avec un coiffeur d'ici, de chez Tican, pour voir comment ça se passe avec la réouverture de son salon. Wayne Aucoin m'a dit que même s'il a fallu faire des ajustements, le retour au travail a été très actif et agréable. Voici mon reportage. Wayne Aucoin, coiffeur depuis 42 ans, se régale d'un début de saison d'été occupé. Après 7 semaines d'isolement et de distanciation sociale, les coiffeurs et les cosmétologues sont très demandés. Je savais que le mois de juin que ça allait être vraiment occupé. Ça fait que j'ai travaillé la première semaine 5 jours. Ça, c'était dur parce que, je veux dire, je vieillis puis j'ai plus la capacité de... Mais je l'ai fait. Et puis là, c'est des journées de 8 à 10 heures par jour. En collaboration avec le gouvernement provincial, l'Association de cosmétologie de la Nouvelle-Écosse a mis des règles d'hygiène comme le port du masque, la désinfection du local entre chaque client. Il a permis aux coiffeurs de n'avoir qu'un seul client à la fois. Il faut se donner du temps après chaque client. Ça fait qu'on ne peut plus multitasker, on ne peut plus double booker, comme on a l'habitude de faire. Puis il faut prendre le temps de... Moi, je trouve ça que c'est plaisant parce que ça donne le temps à pouvoir jaser avec les personnes, puis ça nous donne plus de temps à faire nos travaux comme il faut. T'sais. Les coiffeurs de la région se sont mis d'accord pour hausser les prix, pour compenser, selon eux, les pertes économiques causées par cette dernière mesure. Généralement, les touristes visitent les salons pendant l'été. Et même si les gouvernements des provinces atlantiques ont annoncé une ouverture au tourisme maritime, Aucoin a des doutes par rapport à la sécurité. Aujourd'hui, je pense pas que j'oserais prendre... des touristes comme tels, parce que faut aller demander les questions, où est-ce qu'ils ont été, s'ils ont la fièvre, ça fait que ça va être plus un défi, mais si que je me sens confortable, puis dans les jours à venir, les semaines à venir, que ça lighten up, oui, on va encore faire des touristes. Just look closer to see the... Aucoin dit qu'il est content de pouvoir retrouver ses clients. C'est un métier que c'est pas juste de faire la coiffure, t'sais. Un métier, être coiffeur, c'est, on fait ça du cœur, tu sais. Puis on fait ça comme rendre service, puis de rencontrer des gens. C'est intéressant. Vous pouvez nous écrire au chne.television@gmail.com. Merci.